وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. الدُّنْيَا, pourquoi l'être humain il préfère الدُّنْيَا? Parce que خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ, l'être humain il est pressé. Et الدُّنْيَا, Allah Ta'ala il l'a appelé الْعَاجِلَة, celle qui s'empresse, elle est déjà là. Et l'au-delà il l'a appelé الْآخِرَة, celle qui vient après. N'est-ce pas? Dans la nature de l'être humain, c'est qu'il est pressé, il veut tout de suite. Allah Ta'ala dit que l'être humain, il est créé d'empressement. Et il a appelé ce bas monde l'ajila, celle qui est empressée, celle qui vient tout de suite, elle est déjà là. C'est pour ça que les gens, ils préfèrent celle-là. Ils préfèrent 1 euro maintenant que 1 milliard après. C'est malheureux, mais l'être humain, il est comme ça. Alors que le prophète Sarasim a dit, ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme quelqu'un qui entre son doigt dans la mer, puis qu'il le ressort. Qu'est-ce qu'il en a pris? Rien. Voilà c'est quoi ce bas monde par rapport à l'au-delà. Ad-dunya, il a deux sens. Pourquoi l'être humain il aime bien ad-dunya? Lidounou, oui, car il est proche. Et ad-dunya, dans le sens aussi, il est bas par rapport à l'akhira, qui est élevé. Donc ad-dunya par rapport à l'akhira, il est plus proche que l'akhira, car il est déjà là. Et l'akhira, il vient après. Et ad-dunya par rapport à l'akhira, il est abaissé, il est avili, alors que l'akhira, il est élevé. Donc, l'être humain, il préfère l'empressement plutôt qu'attendre et gagner dans l'au-delà. Et c'est pour ça que l'être humain, il a besoin de se purifier, de changer cette nature de l'empressement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé d'être patient. Seuls les patients reçoivent leur récompense sans compter. Et la patience, c'est ça. C'est être constant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.